Bonjour, Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ c'est Seigneur. Je vais vous parler de comment résister au diable et il fuira loin de vous. Comment il faut faire? Ok? Parce que, en tout cas, que le Saint-Esprit prend tout le contrôle. Que Dieu vous aide à connaître la révélation de cette parole et que vous puissiez résister au diable cette année. Ok, jusqu'à ce que vous puissiez vaincre Satan au nom de Jésus. Amen. Comment résister au diable? J'ai déjà parlé de ça. Je vous ai montré comment résister au diable. J'en parle dans mes vidéos. Je montre comment on résiste au diable. C'est de ne pas faire notre propre volonté. Parce que nous avons notre volonté. Supposons que ça, c'est notre volonté. OK? Et il y a la volonté de Dieu. Donc ça, il faut... C'est notre volonté. On fait ça comme ça. On jette ça à la poubelle. Et on fait ce que Dieu demande de faire. C'est comme ça qu'on résiste au diable. C'est tout. Pour résister au diable, tu ne fais pas ce que tu aimes. Tu fais ce que Dieu aime. Et Satan te laisse. Tu prends ça là. Ça, c'est ce que tu veux là. Tu écris sur ça là. Ce que je veux faire cette année là. Voyager. Rendre le mal pour le mal. Me venger. Acheter une voiture. Faire un commerce. Si tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu fais ce que tu veux là-bas. Ici, je parle des enfants bénis de Dieu. Ceux qui veulent que Dieu puisse les aider. Ceux qui veulent avancer dans la gloire, dans la grâce. Ceux qui veulent être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est à eux que je parlais. Je ne parle pas à n'importe qui. Si tu es de l'autre côté là, va loin. Je parle aux enfants bénis de Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui font la volonté de Dieu, au fait, ils respectent leurs dîmes. Ils respectent leurs offrandes. Donc, ce qui va t'empêcher de respecter tes offrandes-là. Tu jettes ça à la poubelle. Ce qui t'empêche d'honorer Dieu, d'adorer Dieu. Tu mets ça à la poubelle. C'est comme ça qu'on résiste au diable. On résiste à notre volonté, à ce que nous-mêmes on veut faire. On laisse tomber et on fait ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que ta dîme là, les offrandes, ce qui doit revenir à Dieu là, c'est comme une adoration. Ce que tu vas prendre pour adorer Dieu, qui est ta dîme là. Si le voyage t'empêche de respecter ta dîme, tu annules le voyage. Si cette chose-là veut t'empêcher pour honorer, tu annules la chose. Ça veut dire que tu attaques la chose. Mais si tu ne l'attaques pas, que tu veux faire la chose, alors tu es vaincu. C'est ça. Tu es vaincu par le diable. Et puis vous savez, le texte de Dieu là, tu vas reprendre ça. Ça va encore revenir encore. Si tu échoues, tu vas reprendre. Ça va encore revenir. Tu échoues, tu reprends. Ça va encore revenir jusqu'à ce que tu vas comprendre que Dieu ne change pas. Dieu ne changera pas. C'est toi, l'homme, qui vas changer et suivre ce qu'il t'a dit de faire pour que tu puisses avancer. Ça, c'est un puissant message qui est là. Je vous assure, c'est puissant ce que je vous dis. Donc, Jésus-Christ, souriant, Jésus-Christ, c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bye.